les persos? Dis-nous tout. Pour moi, Gogeta 4 Migate, il y a les deux, je pense. Et Ouais. fuck Végéto, voilà. C'est dit. Végito, carrément. Ok, très bien, mon frérot. Sucre. Attends, je reprends mes émotions. Gogeta 4, Végito. Gogeta 4 et Migate maîtrisé, pour moi aussi, c'est sûr. S'il y a Gatai ou Végéto, je pense que j'alt F4. C'est très très dur. Donc fuck Végéto aussi. Ouais, Fuck fuck Végéto Végéto. aussi, quoi. Kariwara! Bon, il n'y a pas de Roronoa Zoro ou Non, non, du. non, non. Voilà. Non, franchement, la même avec vous sur Gogeta 4, je suis grave d'accord. C'est les 3 ans, faut le balancer. Let's go, en fait. Et moi, j'aimerais bien aussi, peut-être, pourquoi pas, genre le Goku Frieza arc tournoi du pouvoir. Si. Voilà. Ouais, Si carrément. c'est Carrément. possible, avec genre un Vegeta Blue évolution, ça peut être cool. Ça peut être cool. Carrément. Carrément. Ok. Et Ça toi, fait le beaucoup quand frérot? même. Ok, c'est sûr. Yussu, la vérité, je m'attends à rien, frère. La vérité, tellement de choses, tellement de trucs, ils te disent A, après ils font Z, frère, tu comprends rien. Mais la vérité, peut-être un Vegeta Blue Diamond qui pop de nulle part, et un Gogeta 4, j'aimerais beaucoup. Et pourquoi pas un Gatai, tu sais, la Gatai en mode, Corrompu, ouais, corrompu. corrompu. Ouais. Ouais, je vois bien une unité comme ça, quoi, Et sortir. fuck Végéto. Végéto, frère, il y a moyen de nous sortir un Végéto SJ3, frère. T'inquiète, tu vas Non, voir. non, c'est J3, Tu carrément, vas il a voir. dit. Tu vas voir, tu vas rien comprendre. Vous allez rien comprendre. Il va y avoir un Végéto SJ3 qui va sortir. Tu vas rien comprendre. J'avoue que ça va être compliqué. Bah, moi, pareil, hein, je vais donner du coup mon avis. Moi, je pense beaucoup à un Gogeta SJ4. Merci à toi, mon frérot Titi Boy, pour la donation de 2 euros. J'irai une full power. Bon, Ikir, mon micro il est Soso, fort, merci. frérot. Mon micro est fort, Ah, apparemment. ton micro est fort. Attends, je vais baisser un petit peu ton volume. Parce que je l'avais augmenté tout à l'heure quand tu t'étais réveillé. Ah. Hop, du coup, ça. Dans 2 minutes, Voilà. là. Hein. Ouais, c'est dans 2 minutes, les amis. Hein, vous Ouais, inquiétez pas, après, il y a on a sûrement l'écran le décompte du devant. live. Il y a sûrement un décompte dans le live. Ouais. Ouais, D'ailleurs, c'est leur sûr. décompte est chelou quand même, non? Ouais, C'est le décompte ouais. YouTube, non? C'est le décompte YouTube Ouais, de c'est le base, décompte. en fait. Ah ouais, exact, c'est Euh, ça, le ouais. décompte C'est truc des première, là. premières. Ouais, c'est C'est ça, c'est ça, ça. les Vidéo vidéos première, premières, ouais. ouais. C'est vrai. Bon, du coup, je le redis, hein, moi, c'est Gogeta SSJ4 clairement que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir mon singe, la Bien Team sûr. GT, pour moi, vous savez, Best Transfo, les Super Saiyajin 4. Je pense à un Gatai Zamasu corrompu, comme Yekai, parce que voilà, avec les teasings et tout qu'on a eu, je pense à ça. Je pense également à un Freezer avec peut-être le Goku en duo sur une attaque ultime ou quoi, un petit peu à la Bergamo. Et après, peut-être un Toppo Hakaishin, pourquoi pas. Puis bon, on verra bien quoi. Après, ça se trouve, c'est pas eu tout ça. On va tous se faire shaft dans nos pensées. Ils Ah, vont nous l'année sortir dernière, un c'était Végéto. Voilà, clairement. ouf. C'est Là-bas, l'année abusé, dernière, quoi. personne ne voyait Végéto. Ah, Et le finalement, Goku on voyait Végéto. SJ4, quand il est apparu l'année dernière, déjà on n'était pas bien. Je me rappelle. Mais Ah, après, c'était mais tôt. je crois que tout le monde n'était pas bien. Non. Qui a parlé de Migaté parmi vous? Tout le monde. Tout le monde, ouais, c'est Non, sûr. Ouais. enfin, moi, franchement, j'aimerais bien. Mais je pense pas qu'ils vont me sortir une Migaté. Bah, Je sais pas après, bah ouais, pourquoi. avec le décompte, avec les décomptes des Goku tous les jours, tu sais, c'est probable, hein. Ouais, c'est possible. Ouais. Ou alors, tu sais, Avec j'ai un mis. lien, Il y a avec le le décompte. décompte, les amis, il y a le décompte, hein. Ah, on Merci dit. à toi, Rouleau, pour la donation de 2 euros. Wesh, tous les youtubeurs. Végéto SJ4, t'inquiète pas. Blanc, blanc comme ça. Végéto SJ4, ouais. Moi, je suis une team Végéto SJ4, frérot. Même pas. Ah, moi j'aimerais bien, mais ça, je pense que ça sera avec une collaboration. Hein. Ça me paraît bizarre, sinon. Bon, après, pourquoi pas, mais. À mon avis, ils vont nous faire une sorte de petite session de perso inédit Heroes comme ça. Mais pas l'anniversaire, je pense pas. Hein. Ouais, C'est ouais, dingue. ouais, ouais. Personnellement, je pense pas pour un anniversaire, Ça sert à rien de sortir du c'est Heroes léger quand en il y a vrai, déjà hein, je des. trouve. Hein. Ouais, bah ouais. Il y a déjà des Franchement, trucs. ouais. C'est léger encore. Merci. Une minute à Alors, peu près. ouais, c'est ça. Voilà. Je vous ai mis l'écran, les amis. 1 minute et 12 secondes. On va pouvoir En assister à vrai, j'ai tout pensé ça. aussi, tu sais, le gif que j'ai mis sur Twitter en mode on a Vegeta Blue Evolution et un nouveau Goku Kaioken. Quand ils sont tous les deux et qu'ils avancent contre Jiren. Ah! Ça, ça peut être une idée. Oui, Ou peut-être une unité Vegeta duo ou quoi, Blue. je sais pas, ça Oui, peut être. Vegeta Blue Diamond, et quand il y a le Goku en mode Ouais, Kaioken. ouais. Kaioken x20, ouais. Peut-être Ouais, elle est pas mal celle-là Goku Blue, aussi. ouais. Peut-être, ouais. Faut voir, en tout cas, on espère juste voilà, kiffer. C'est le principal, hein. Voilà, on espère que cette fois-ci. Ah, frère, j'ai peur du Végéto. La vérité, avec tous les teasings qu'ils ont fait, Non, j'ai non, peur du t'inquiète. Végéto, là. À ma vie, il y aura Végéto Zenkai, le LF. Végéto SJ3 Ouais, PL. ça par contre, ouais, le Végéto type violet SSJ qui est sorti au 1 an de l'anniversaire, ça, il y a possibilité ouais, qu'il obtienne son Zenkai. Et en soi,
Pourquoi pas, ça me dérangerait Oh pas. ouais, ça va piquer, pourquoi pas Il serait trop fort, hein. Ça serait le meilleur personnage du jeu, je pense. Ah, déjà Bah que oui, maintenant, clairement, sans il serait rien, très il très fort, passe. mais pourquoi pas? Moi, ça... Moi, franchement, Tu je peux faire valide. 5 à nouveau végétaux. Attends, par contre, il y Voilà, a le son voilà. sur ton live, ce soir ou pas? Sur ce que tu nous stream, toi, là. Vous Moi, je l'entendez pas, vois. le son? Moi, ouais, je vois, j'entends tout, je vois tout. Ouais, bon, bah, voilà, ouais. C'est parti. Logiquement, Parti, les gars, tout va. allez. Bonne chance. Alors, attendez, je vais vous mettre un peu plus Hello fort. Toshi. Ah, du coup, non, en fait, ils ont. Ah, si, c'est bon, c'est en français. Par contre, faut que j'arrive le sous-titre. Je suis pas galère, moi, trop les streams français. Voilà. C'est en français. Allez, c'est parti. It's almost time for Regen's third anniversary. Il est heureux, Toshi, chableux. From the first and second anniversary to Legends Festival and even the recent implementation of the Ultra Rarity and the Tournament of Power, we've been doing a lot. But it's already been 3 years since the release of Dragon Ball Legends, and we want to properly thank everybody for supporting us. Ceux qui nous so soutiennent, bah ouais, tu m'étonnes. Ceux qui chalassent. Ah ouais, voilà, ceux qui chalassent, exactement. Grâce à vous. Milestone. So, again, we want to very much thank you for, from the bottom of our hearts. And with that gratitude in mind, we've prepared a ton of things for the third anniversary. Il a sorti la veste Capsule Corporation. Pas mal, j'ai le t-shirt Capsule Corporation, frère. Il s'est réveillé à 6h du matin, lui aussi, il échappe sa tête. So, not to pat ourselves on the back, but we have an incredible amount of wow. content planned out this year, lasting from, obviously, before this video. Ouais. To the end Jusqu'à of fin juin, June okay. and hopefully beyond. So even compared to last year or even the first anniversary, we. J'ai désactivé les notifs, les gars. Ouais, vous avez raison. Ah, ok, ça c'est pas mal. Ça. Parce que l'année dernière, il y avait zéro contenu, donc faut gagner plus que l'année dernière. Right into. Let's start anniversary latest info. Ah oui, ils enchaînent déjà. Let's start with the first event. Over to you, Tossi. So, merci Toto Sama pour la donation de 2,29€. Go Gogeta 4, on le veut tous. Merci beaucoup. J'avais pas dit qu'ils allaient faire un récap. Ouais, petit récap, bah j'avais c'est sûr. Colle le récap. Faut faire du blabla. Faut faire du blabla. Normal. Ça, je trouvais ça super original ce qu'ils ont fait. J'ai trouvé ça cool. Le problème, c'est que les persos ils vont se faire pouvoir créer par les persos de l'anniversaire. C'est plus difficile de reach to 7 stars plus. Of course, the characters will be just as much viable as any other characters, hopefully, to use in any content. So, it's the perfect chance for both new, returning, and currently playing players to gather this Goku and get some new characters. We had other events where you can get a character for free, but this is the first time you can get up to 6 at the same time. Exactly. Avec 6 persos gratuits à la fois, something extra c'est special. Fort. By the way, is there a character from these Gokus that you have a special memory for? I definitely have an affinity for Super Saiyan 3 Goku, personally. The moment when he first transformed, even King Kai's planet was shaking. That was that just made me shudder D'accord. too. And when he was able to fight on equal footing ah, with Majin Buu, you could aussi, just là. Tell that he'd C'est son blabla. Il a bien taillé son petit boucle au menteau. Là. Je trouve il est fit là. Il a bien minci, je trouve, par rapport au dernier. Ah ouais, il a minci de ouf. Ouais, grave. I still remember watching that on TV. Non, mais rigole, mais c'est vrai. I think everyone has a favorite Goku, so please use this chance to get all six. Next up, we'll be introducing something brand new for the third anniversary. Nouvelles infos pour le troisième anniversaire. Voilà. C'est là que ça part. C'est parti. Ça sera la fin, de toute façon, je pense. Hein. Mais non. Ah oui, si, oui. Our appreciation. Oh là là. Et ce portail, ça fait 3 ans, c'est le même. C'est un truc de consecutive summon for free. We have prepared an amazing summon for all the players. Il a dit quoi, ça, c'est amazing summon, j'ai envie de dire. It's just amazing. Pour les nouveaux joueurs et tout, c'est cool ça. Ah, c'est super cool pour les nouveaux joueurs. Même pour genre, si c'est pas une way, il en vrai sur le jeu, c'est bien. But, hein, ça free summons for second anniversary, Legends Festival, and every so often. But boy, yeah, not to this extent. This time, we'll be sending out summon tickets 3 times over bon, the third anniversary trois fois. Ticket. Each time, okay. there will be 111 tickets. Ah, à chaque fois, 111 tickets. Ah, ouais, j'avoue. 133 tickets, c'est énorme. Ça fait 11 multi par vague. On peut faire des multi, ce sera pas singles. Even just 111 tickets is really amazing. Si c'est que des singles, je le fais pas, je crois. Ah voilà. As positively memorable as possible for everybody. That would normally cost a lot of current crystal, wouldn't it?
Normally, yeah, we'd like to not think about how much Chrono Crystals it would have been, but obviously this is for the sake of everybody, and we wanted to make sure that everybody can have fun during this third anniversary. Anyway, this is a chance to get a bunch of new characters and even limit break them, so we wanted to give new players, players coming back again, and concurrent players to a chance to upgrade their fighting power and the team that they've been working on, or maybe even find a new brand of teams that they've never even thought about. So please take this opportunity to keep playing Dragon Ball Legends. Ah ouais, on va continuer, t'inquiète. There's usually a raid battle. Ah, je les vois mal offrir 5000 cristaux. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant 5 semaines, ils vont fêter l'anniversaire, quoi. On sait que ça va pas s'arrêter au bout de 2-3 semaines, quoi. Ça va continuer. Jusqu'à fin de mois, ils ont dit tout à l'heure. What kind of rewards will there be this time? So, as usual, there will be Chrono Crystals. Of course, there's also various items such as multi-Z powers that can drop from the raid as well. The enemy will change each time, so please look forward to how these raids will go. Heureusement que l'ennemi change à chaque fois. Are you planning on fighting all 5 times at full strength, Tosi? Oh yeah, you better believe it. I am going to probably be grinding these every week during the most likely weekend. And I hope that I can get my time to sleep during that time, but yeah, I'll be going full out. Sounds like you. Even if you don't go that far, I hope everyone enjoys the raid battle too. So, let's keep moving. Elle est pas mal la mise en scène. Allez. La suite. We'll also be holding a summon with an amazing lineup that can C'est le même Eddie. Superbe sélection de personnages, eh frère. Mais ce portail là, ça fait un an que je le réutilise à toutes les sources. You can get them from the login bonuses and le Gata Isamatsu des 2 ans avec le Goku GT des 2 ans and get some strong new characters. Pièces, aventures. Next is the Hoi Poi. Bordel, les PZ d'élèves, pensez à en donner gratuitement un peu. J'avoue, des PZ d'élèves, ça aurait été bien. T'en as gratuitement là, tu mets 3000 CC dans un portail. C'est pas gratuit ça. c'est intéressant, mais c'est pas gratuit. That's right. And this will also cut Chrono Crystals? Oh yeah, no. It's not going to. Je me demande s'il va avoir la loterie, le chance time, là, le désastre de l'année dernière. Il y aura les Dragon Ball avec Shenron là où on scanne des QR codes. Yeah, sûrement avec le Dragon Ball de GT. Les classiques gamme, ça serait incroyable. During the third anniversary period. Plus, there'll be additional missions that you can complete by playing this summon a certain number of times that will reward you with Chrono Crystals and even give you the special multi-Z power that you can use on Legends limited characters. What items you'll get? Who knows? So I hope you guys look forward and collect those Hoi Poi coins and use this new summon system. Attends, on peut récupérer des PZDF mais de manière aléatoire. Yep, exactly. You can't get them from the summons themselves, but you will if you clear the missions. Okay. So please don't miss this chance. Aussi avec les missions. That's worth a lot of information at once. Mission, avoir 30 Zenkai dans sa box. This excited usually, but I am genuinely excited for the third anniversary. By the way, out of all of this, which event do you recommend? Je te jure, on dirait qu'ils viennent de se lever alors que c'est une vidéo première. One of which, first off, is the Hoi Poi coin event, and the second, obviously, will be the 333 summons that's just going to be available for everybody for free. This is a special campaign where you can get a bunch of characters, items, to basically just power up everything that you have. So, just don't miss it out. This is something very special for the third. Ne ratez pas ça, bah frère, si on est là, on va pas rater l'anniversaire, effectivement. C'est à toi de pas le rater surtout. As for our medium to high level players, I think they'll also enjoy our special 5 consecutive week raid battles where you can constantly get amazing rewards as well. We didn't have a 5 week raid for the first and second anniversary, right? Yep. So, first anniversary we didn't even have a raid. Second anniversary we did, but it melted instantly and c'est rigolo hein, ça t'a fait rire, c'est très drôle ça. MDR. C'est vrai quoi, c'est terminé rapidement. JVP. Peut-être aujourd'hui il annonce quelque chose pour la guilde. Oh, okay. On y croit un petit peu. Up next, I'd like to show you a bit of a more familiar. Un événement plus familier, vas-y. Bonus de connexion.
of course. Ils en font vraiment genre c'est un truc de ouf. J'espère qu'il y a 3 K cristaux. And the ticket that can be used to pray their thanks for 3 years legend anniversary summon that we spoke about earlier are included. Correct. The tickets and many other items will be lined up in the login bonus, so please make sure to log in every day and enjoy. Et il parle pas de cristaux. Moving on. Sérieux? Il y a pas de cristaux. Il y a pas de cristaux dans le bonus de connexion des 3 ans. Attends, je suis en train de perdre ma voix là. Non, mais il y en aura, special missions that are additional for this. Mais s'ils en parlent pas, c'est qu'il y a pas en beaucoup. J'espère. J'espère qu'il y en a un peu. You can get additional cristaux tous les 3 jours. 15% cristaux from these as well. Free try to clear them all everyone. Ouais, ouais, en vrai, à part le raid qui dure 5 semaines, il y a rien de Oui, de ouf, ouais. Il reste combien de temps dans la vidéo, là? Bonus champion 1000, donc là, il y a 1000 CC. Ouais, comme d'hab, quoi. Enfin, ça, c'est 500 d'habitude, non? Ouais, c'est 500 d'habitude. Je pense que beaucoup de gens ont attendu pour ça aussi, mais on va avoir un spécial champion bonus où vous pouvez obtenir un autre 1000. Ouais, ça va, c'est bien quand même. Ouais, ça va. Je suis sûr que beaucoup de gens seront heureux de ça. Even I'm looking forward to it. Mm-hmm. I am too. We are usually keeping track of how many chrono crystals we give out per month, but boy, we have broken the limit for this third anniversary. On a dépassé les limites. Ah ouais. T'as dépassé les limites. Ah ouais. Bah j'espère. Après Sofiane, c'est facile hein, de dépasser la limite hein. C'est facile. Ce qui donne Also, we have another familiar event this year. Ah. Merci Rouleau. Ah tiens, j'en parlais quoi. Est-ce que c'est la chaîne de 1GT hein? C'est le même. C'est pas bon ça. Ah, c'est même ils auraient pu faire un truc de ouf. Franchement, ils ont pris les mêmes assets que pour la première année quoi. T'es moi. Après, faut voir les récompenses en plus des cristaux que tu auras. Si c'est aléatoire comme c'est les mêmes ou pas. Ouais, mais tu pouvais tous les récupérer. C'était galère un peu. Bah, fallait te le faire tous les jours. Ouais. Aussi, il va farmer les CB des gens. C'est ça, Rouleau. Merci frérot pour l'adoration. So it won't be the case this year. I hope everybody can more smoothly collect Dragon Balls through codes this time. To be honest, it may have been a real inconvenient in past. But now you'll be able to exchange codes with friends online. Yep, it's so much more convenient now. Yeah, I hope everybody that's been with us since the first and second anniversary can really relate to this too. Ouais, c'est vrai que c'est pourri. We also have another special wish for Shenron just for this year, so please look forward to that. Okay. Ouais, il est prêt. T'inquiète, on est prêt. We'll also be holding a sequel of a certain special event. Okay. During the second anniversary, we'll also be held during the third anniversary. We've also changed the chance time a little this year, so that everybody can enjoy it a bit more easily, and so that it's more easily understandable, and you can actually tell who's winning and who's not. First, play Legends to collect chance time tickets, which you can exchange for items labeled 1 through 100 in the exchange shop. A few days later, there'll be a lottery of sorts, and if the number that gets picked is the same number as the one that you chose from the exchange shop, you win. You can use that and trade for chrono crystals. I really wanted some chrono crystals. I'll be trying to hit that jackpot. Mm-hmm. Le bouton illimité, qu'est-ce que tu veux des cristaux? Additionally during the third anniversary. So I hope everybody enjoys perso, pour ceux qui demandent dans le chat, ce sera la fin du live. We'll be more details in game and our SMS later. Continuing on is campagne de renforcement XP x 3 character boost campaign. Putain, il l'annonce dans As le truc. Last time, we'll be holding il reste combien de minutes là au truc? Powering up your characters. On voit pas les minutes. This time, training times will be halved while the XP. Une fois plus de zénith. Il reste 20 minutes, ouais. 20 minutes. Ça, c'est, il va y avoir plusieurs persos annoncés. Ça fait 13 minutes que ça a commencé. Merci Titi Boy pour la donation de 2€. La boulette, il en fallait bien une. Ouais, parce qu'ils ont dit qu'on aurait quelqu'un qui allait parler, je pense qu'on a invité spécial. Et ça sera juste avant les personnes, gros, aussi. Et merci pour les pouces bleus, les amis, merci beaucoup, hein. Je vous remercie pas, mais merci beaucoup, là. Voilà, j'y ai pensé. Merci les frères. On aura Masako Nozawa, on a invité spécial. Je sais pas. Qui va faire Yosha par l'hébreu. So we hope everybody takes advantage of this campaign. Thank you so much. It's nice that there are some familiar campaigns and events.
Now we can go to have some video message from special guest. Voilà, OK, les invités. Alejandro Sav, I'm the English voice sur MHA, in Dragon Ball Legends. It is finally the 30 year anniversary. Oh my goodness. There is On l'a vu sur Twitter, so much. So much has happened in 3 years. Shallot's journey, Giblet's journey, Zaha's journey. Ah ouais, on va voir Shallot TCG Blue, c'est vrai. I'm so excited. I try to attends. Every time I get Peut-être mais Vision Shallot Giblet. Getting the opportunity to play Shallot is a dream come true. I've been a huge fan of Dragon Ball since I was a kid. I've watched the show in Spanish, in English, and in Japanese. Et français, and it's always a grand time watching it. I was one of those kids that would shout Kamehameha in his backyard, and now I've gotten to do it professionally, and it is so surreal. And getting to share the role with Kenji Akabane is a dream come true. So, yeah, I am excited for everything Dragon Ball Legends has done, Shallot's story, and what's to come. Who knows? Because I'm excited. But yeah, thank you everybody for playing Dragon Ball. J'avais dit ça. J'avais dit les invités vont dire bravo Dragon Ball et tout. Théma, c'est ça. Merci Lionel. Merci mon frère Lionel pour ta donation de 10,99€. Topo à Kaishin. Ah, je sais que toi tu le veux. Je sais que tu veux Topo à Kaishin. Merci mon frérot. Mais en fait, il donne aucune info, rien, il n'y a pas un petit teasing. Il n'y a rien pour l'instant. Pour l'instant, c'est que du blabla, voilà. Dragon Ball Legend. Si, c'était sur le truc de Facebook. C'est un petit gringalet qui a la voix de Shallot. Ouais, grave. Bah, ils sont trop forts, les Ouais, ils sont trop forts, les gens. Ouais, ils sont très très forts, les gens. Le taf qu'ils font moi, dans les doublages, c'est incroyable. もうここまでプレイしてくださったユーザーの方々そしてもうゲームをね作り上げてくださったもうスタッフの方々もうそれに携わった皆さんのおかげだと思っておりますのでね改めて感謝をね言わせていただきたいと思いますありがとうございますそうですね3周年迎えたということでまあシャロット役として僕は関わらせていただいているんですけれどもまあもう収録から含めたらもう多分3年半とか下手したら4年近くになるのかもしれないんですけれどまあもう感慨深いですよね最初はサイヤ人としてしかもねこのアプリというレジェンズというコンテンツにおいてはしかも主人公という立ち位置でやらせていただけるって話を当時聞いた時からうわ本当にありがたいし嬉しいしプレッシャーだなとかと思いつつもでもだから本当にスーパーレジェンズに1個なっただけでも上がってたんですけど気が付いたらもうゴッドまでたどり着きましたこれからもですね、ぜひとも、やめと。あ、俺もちょっと n'importe qui、même le pire payon du truc。ah、j'ai 5周年と、積み重ねていけるように。ah、ça doit être le kiff en vrai。微力ながら、声優として頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひともこれからも、ドラゴンボールレジェンズ楽しんでいただけたらなと。ドラゴンボールレジェンズ。以上、シャロット役の赤羽健二でした。même son nom est stylé、赤羽。Kabane Kenji da. Le leader d'un groupe de ouf. Ah, j'avais dit, Masako Nozawa. Je les colle ou pas? Bien vu, bien vu. Putain, elle, franchement, j'espère qu'elle va vivre 200 ans. Elle. La personne la plus célèbre du monde. Ouais. Grave. Elle protège sa voix. Hein. これからもずーっと。Rien d'entendre, ça me fait des frissons, parce que j'entends Goku en fait. Tu sais que quand tu fermes les yeux, t'entends Goku, c'est un truc de fou. Oh, Goku, c'est fou, hein, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Franchement, elle est incroyable. Elle est incroyable, Masako. Les invités, ils parlent. Bravo Dragon Ball Legends, c'est un plaisir. Il reste combien de minutes ? 15 minutes à peu près. Il reste 5 minutes. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un ultra là ? Franchement, il y a des possibilités en vrai. Il y a deux mois, ils ont dit ouais, ça nous prend 4-6 mois à faire un ultra et tout. Ils nous prennent pour. Non, mais à mon avis, ils bossent pas que sur un ultra en même temps. Ouais, ils ont déjà dit en préparation. Ils ont dit ça, ils ont dit qu'il n'y en aurait pas un de sitôt. Ouais, mais ils sont pas dit pélo à développer le jeu. Je pense pas. Ah, je pense qu'ils sont posés la question. La bataille en éclair Sparking. Les torts sont durs pour DBL, Talreno. Ah, wow, j'ai tellement. Les gars, là, on a un indice là. Je vous le dis, les indices ils sont là. GT, Future, Fusion. Ouais. C'est clair, là, il y a sans doute des indices. Oh là là. Oh là là, Végéto. Merci mon frère Lionel. Non, j'ai fusion frère, que je t'inquiète. Oh.
Kepai. Gogeta. Ah, il va voir son Zenkai. Oh, c'est un Zenkai. Le Gogeta transfo qui se transforme en SSJ, type bleu, incroyable. S'il a un Zenkai, il pourra pas être pire que Gogeta bleu quoi. Et pour Topo, allez, bon qu'il arrête de nous faire ce blabla. Je veux mon Topo Akai, merci encore. Ils ont dit peut-être, pourquoi pas. Vous verrez. Ouais, c'est bon, vas-y, ça m'a grillé. Il aura son Zenkai pour les 3 ans. Ouais, ça, ouais, voilà, c'est le petit teasing de Gogeta Zenkai, quoi. Un personnage au choix. Il y a du Freezer. Ah, bon, franchement, c'est cool, ça. C'est cool. Ça, c'est Vados, hein, prenez tous Vados, les gars, cherchez pas à réfléchir. Ouais, ouais, c'est clair. Clair, moi. Moi, je prends couleur. Ah oui, d'accord, c'est à choisir, Ulrich, j'avais pas capté, moi, ok. Tu mets l'eau, ah, j'avoue, Vados, elle est incroyable. Tabrino, c'est celle qui joue encore. Je joue encore Hello. Elle joue plus au jeu, Tabrino, actuellement, c'est sûr, c'est pour ça. Tu vois. Non, non, je joue, mais je joue moins qu'avant, c'est tout. Tabrino, il est sur Mio, lui, il a pas le temps. C'est Mio qui est sur Tabrino. C'est vrai, calme-toi. On a pas les mêmes délires, toi, mais bon. On peut choisir le perso qu'on veut, ouais, c'est incroyable ça. Avant fin décembre 2020. C'est pas que ces persos-là en fait, hein, c'est n'importe quel perso avant décembre 2020. D'accord. Ça fait les fins, j'imagine. C'est cool ça. Merci Nervous pour ta donation de 50 euros, mon frérot. Je suis désolé, j'avais pas vu. C'est cadeau pour les 3 ans. Merci beaucoup, mon frérot. 20% de désactiver les notifs. Merci à toi, franchement incroyable, merci les amis. Nervous s'est levé à 6h du mat, il a dit je vais ralasser ce matin. Ah ouais, merci beaucoup mon frérot Nervous, c'est incroyable. Franchement incroyable frérot. T'es au top, merci. Il y a ma chaîne en description Nervous si tu veux passer à l'occasion. Oui d'ailleurs il y a la chaîne de tout. Ok, let's go les gars. Les guests hein, les amis dans la description. Ouais, je crois. Bon, allez, dans Yosha, je découpe. Allez, c'est parti les gars. Allez, let's go. Allez. Mais non. What? Ah, y'a du GT? Ouais, mais c'est trailer GT. Non, Super Saiyan 7, nouveau Super Saiyan 7. Ah, nouveau Super Saiyan 7. Non, c'est l'ancien. Nouveau Super Saiyan 7. Arrête tes conneries, c'est un nouveau. Nouveau baby. Nouveau Super Saiyan 7, nouveau baby, les gars. Ils ont les mêmes attaques. C'est les anciens. Les mêmes attaques, frère, c'est les mêmes. Ah, bah c'est les nouveaux attaques. Mais là, c'est pas les mêmes cartes. C'est bon, c'est sûr. Allez, maintenant il faut maintenant. Gogeta, frère. Si t'accentues sur la GT, mets Gogeta 4. Y'a l'autre, il va avoir okay. De machine run, c'est sûr. Voilà, et après c'est Gogeta. Gogeta 4. Allez, ça va être Gogeta, c'est sûr. Et là, Végéto, c'est incompréhensible. Non, Végéto 4. Allez, Gogeta. Gogeta. On va le voir. Ah, ça, il arrive. Non, il montre à la fin. Allez, non plus, hein. Ça sent le Gogeta, les gars. Ça sent le Gogeta. Par contre, c'est 4 nouveaux persos GT là. Non mais attends, vous avez vu que les SP c'est les SP qu'on a déjà. C'est des extrêmes, c'est des extrêmes. Les persos extrêmes. C'est tous des Super Saiyan 7 et Baby. Que Super Saiyan 7 et Baby c'est des extrêmes. Et les autres c'est Sparking. Ah ça va, j'ai eu peur, c'est pour ça que c'était les recyclés au niveau des SP. Ouais c'est vrai, tu les avais quand même. J'y croyais pas. Non par contre, Saiyan Shenron et sous Shenron c'est bien quand même. Moi ça me plaît. Ouais c'est des nouveautés qu'on avait pas. Donc les dragons maléfiques pour moi, voilà. Surtout sous Shenron, moi je kiffais dans DBGT. Moi c'était Nova Shenron. Moi Nova Shenron je l'avais collé dans ma vidéo prédiction. Ok. Gameplay. Après il faut se dire une chose, c'est des sparkings invoqués sur l'anniversaire, c'est quand même audacieux comme choix, hein, parce qu'ils sont pas très hypés les deux là. Ah, c'est sûr. Ils ont intérêt d'envoyer du sale après parce que. C'est pas apprécié par tous quoi. Du moins, surtout pour la nouvelle génération, ils doivent pas il vraiment qu'ils savent même pas, hein, on va se mentir. Sa carte verte. Ouais, mais après, c'est parce qu'il y a Gogeta sur le chat. Ah, ouh, franchement, non, on peut passer à Gogeta. Bah, c'est sûr. Ouais, on la vérité, tu le risque. Sors pas maintenant, tu le sors jamais. Là, avec ça, il joue le risque. Ouais, mais attends, parce qu'il y a Gogeta derrière. S'il y a Gogeta, c'est avec 3 persos, ils vont en montrer encore au moins 3. Ouais, c'est... Bah oui, il y aura ça c'est le premier portail. C'est le tournoi du pouvoir à côté, c'est sûr. Peut-être futur. Ligaté maîtrisé. Ligaté maîtrisé. Les gars, ça sent Gogeta 4, ça sent Gogeta 4. La vérité, ça sent Gogeta 4. Ça va futur. Ça sent le singe. Pas incroyable, les persos. Non, pas incroyable. Si, on s'en fout. Eux, il y aura Gogeta 4 avec eux. Donc tu vas invoquer pour Gogeta. Il est stylé l'artwork avec les morceaux de glace. Ok, un peu comme Gohan. Il peut infliger des attributes downgrades.
and his special move arts will seal an enemy card. Bonjour, la durée de mise en attente. Okay, pas mal là. Sceller les cartes pas mal là. Physique, c'est vénère. C'est comme un des Gohan, c'est comme le Gohan ultime. Ah les gars, dans le chat, vous êtes durs. C'est intéressant de sortir ces unités-là maintenant si c'est accompagné d'une grosse unité, tu vois. Oh, pas grave. Par contre, franchement, moi, Dragon Ball Z, moi, j'aime bien. Moi, parce que moi, j'aime des BGT, tu vois, c'est de ma génération. Oh, l'artwork de... Oh là là, l'artwork est magnifique. Rien à dire. L'artwork, il est vraiment magnifique. Sublime le personnage. Il est magnifique, l'artwork. Ah, c'est classique, ils font toujours des beaux artworks quand t'as son début légendaire. Ok, lui, il lock. Ah, quoique, je préfère celui de Nova Shenron. J'aime 100% de la juge de téléportation. En vrai, c'est juste que ces persos-là, c'est ce que je disais juste avant, ils parlent pas à tout le monde, ces persos-là. Il y en a qui connaissent même pas. Hein. Ah, la nouvelle génération doit pas vraiment connaître en fait. Oui. Est-ce que Shenron, on parie quoi qu'il est meilleur que Goku et Saiyajin 4 LF? No switching to promote. C'est grave possible. C'est grave possible. Of course, these aren't the only characters we prepared for the third anniversary. So here. Ok. Voici une autre vidéo. Allez, allez, là, c'est perso de l'autre catégorie, on va voir. Futur ou tournoi du pouvoir. Ah oui. Comment t'as prononcé ce fan, s'il te plaît? Non, mais je. Non. C'est un extrême, je pense. Non. C'est pas possible. Oh, il pousse sa mère. Non mais c'est quoi? Oh, qu'a fait ma femme? Let's go! Oh, mais frère, les gars, les indices étaient bien ça. Nouvelle Kefa. Non mais attends, ils refont les mêmes persos que l'an dernier, gros. Oh là là. Ça c'est Gata Isamatsu qu'on veut. Tiens, Gata Isamatsu qu'on veut. J'ai dit là en début live, bah comme un des je m'en doutais. Bon, lui c'est le LF là du coup? Non mais faut. Il faut Gogeta 4, hein. Attends, il faut Gogeta 4. Il faut Gogeta 4. Parce que la vérité, elle est pas là. Incroyable. La vérité là, s'il n'y a pas Gogeta 4, frère, c'est éclaté, c'est éclaté, frère. Au pire anniversaire de l'histoire pour l'instant. Super Saiyan God. Oh, Kefla, ma femme, je m'en bats les couilles. C'est trop Zamasu corrompu, LF. Déjà, ça c'est sûr. Attends. Dites-moi, il y a encore le perso Star qui arrive à la fin. Gogeta 4, et c'est bon. Dis-moi, il y a Vegeto à chaque anniversaire, frère. C'est quoi ce scandale? Non, mais Vegeto, là, je comprends pas, par contre. C'est une blague, en fait. Je pense que c'est un running gag. C'est qui sert jamais. As powerful as he is in the original series. Let's see some gameplay. Bon, nouvelle Kefla. Regarde là. Ils ont pu mettre une Kefla transfo quand même. Hein. Fun de case. Regarde là, elle est magnifique. Après, ça peut être Mugaté aussi face à Kefla, hein, le dernier perso, c'est aussi possible. Ouais. C'est bien Kefla, mais pour moi, c'est pas du perso anniversaire quoi. Clairement, des enfin, pas ça, des recyclés, en fait, mais des. Le perso qui joue déjà parti, c'est ouais, le personnage qui jouait, ça faisait bien Vegeto Blue et Gata Isamasu le graphique. Ouais, là. Et ouais. Puis ouais, le perso qui jonglait, Kefla. Du coup, avec les 6 attaques. Ça peut être Gata aussi, parce que VB quand même, hein. Non, mais j'ai la haine de ouf en vrai. Bah, il va être beau et tout, mais VB encore, wesh. Encore VB, frère, c'est trop. Et c'est même pas transfo ou quoi, c'est VB direct, enfin, je comprends pas là. Mais c'est les mêmes, regarde, c'est les mêmes animes limite, quoi. Ils changent un peu, les animes. Et l'épée de qui? Ouais, ça va être l'épée. Et ouais, voilà, c'était sûr, c'était ça. Elle est belle l'aspect. Hein. Par contre, j'ai peur qu'il n'y ait pas le Gogeta SSJ4. Non, pour moi, il y a un autre LF, on peut pas s'arrêter comme ça. Wesh! Ouf! Par contre, le Gatai, oh là là, le Gatai. Oh là là, la cover strike là. Elle est énervée. Hein. Wesh! C'est quoi, c'était la verbe de VD ça? Il est super classe par contre, Le Gatai, il est incroyable. Il est énervé. Il est incroyable le Gatai. Ah, il est super. C'est ma statue. Je comprends pas, c'est le gameplay. C'est un gameplay de début, Gatai là. Ils aiment trop Vegeto dans ce jeu. Ah, mais même sans gameplay de Gatai, ils mettent le gameplay de Vegeto, wesh. Ok. J'y crois, Gogeta 4, j'y crois encore. La vérité, j'y crois. J'y crois à Migato aussi. Pas possible aussi. Oh là là. Oh mais incroyable hein. Il est de ouf le Gata Isamasu. Franchement, il est magnifique. Le Gata Isamasu corrompu. Ah stylé. Ah stylé comment il rigole là en plus. Incroyable. C'était le gameplay impressionné de ces nouveaux personnages. Il est vraiment magnifique. Il reste combien de minutes là? Parce que j'ai un peu peur. Hein. Il reste 5 minutes par un autre perso. Tu vois ça? Ça j'attendais ça. Ça je l'attendais. Et Flare rouge. Il y a Gogeta en rouge.
Je trouve que les bras de Kefla, c'est un petit peu abusé quand même là. Kefla fait de la... Franchement, revoir Kefla, revoir Vegeto Blue, moi je trouve ça un peu limite, mais bon. Non, là, je suis d'accord avec toi. Très, très limite. Mais non, mais là, trop il a éclaté l'anniversaire, faut faire un vrai 2 minutes, là. Tu peux pas dire autre chose. Les persos, c'est tous des remakes de l'anniversaire 2, c'est scandaleux, comme il faut le dire. Regarde VB, bon. Ouais, il est beau, l'artwork, la carte est très belle. Vegeto, en vérité, encore un Vegeto, type violet, blast, ok. Et si vous terminez par l'unité phare, frère, comme d'habitude, ils peuvent pas faire un truc comme ça. Moi je pense qu'il y a Gogeta 4 à la fin qui va être annoncé. Mais bien sûr, ils l'ont fait. S'il n'y a pas Gogeta 4, c'est. Parce que je sais pas ce qu'ils cherchent. En plus, pourquoi t'invoquerais sur GT encore une fois s'il n'y a pas Gogeta 4, tu vois. Pour avoir Gogeta 4, qui va invoquer sur les dragons maléfiques? Qui va invoquer sur les dragons maléfiques à part nous, parce que voilà. On aime bien, mais la nouvelle génération, impossible. De toute façon, là, ils nous ont présenté 3 Sparking ici, alors qu'avant, ils nous en ont présenté 2, je crois, c'est ça? Les 2 dragons, c'est tout? Voilà, donc il manque un Sparking, allez, let's go. Bah, s'il y a 2 LF, ouais. Oh là là, l'artwork. Incroyable. Incroyable. Magnifique. C'est le seul qui est stylé, c'est Gatai, quoi. Ouais, grave, le coup de cœur, c'est Gatai. Après, Gatai, franchement, moi, ça me dérange pas. Parce que c'est cool. Non, moi non plus. C'est il est incroyable l'artwork, purée, mais regardez les détails. Oh, elle est magnifique. Ah ouais, c'est déchiré le mec à le dessiner. Il a qui divin. He's also able to buff allies and debuff enemies when defeated. Comme Broly, un peu comme Broly LF. De toute façon, ouais, il va être craqué le perso. Has a lot of quirks that make him a tricky opponent. Like his wide range attacks, special arts, and his special move arts that can't be absorbed. Quand tu butes quelqu'un, détruis l'ensemble des cartes de l'adversaire. All these new characters are extremely powerful, and I hope you guys are excited as I am. Allez, so please make sure to get them during third anniversary. J'ai peur là, les gars. S'il te plaît, me dis pas si regarde là, j'ai peur. Non, 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 il va dire il y a un autre. Il y a le final, il y a le final. Sors nous, Gogeta SSJ 4. Mais le final, ça peut être un ultra aussi à tout moment, genre. Ouais, un petit ultra aussi. We've got three. Il y a beaucoup de trucs là, quand tu fais ta liste. Parce que là, tu peux pas mettre les dragons maléfiques sans mettre Gogeta 4. Là, ça a aucun sens. C'est pas. Franchement, la vérité, mec, ça a aucun sens. Ils ont mis VB alors qu'il y avait VB l'année dernière. C'est pas un c'est un ouf qu'il y a encore VB. Hein. Vraiment, c'est ouf. Donc en fait, tous les anniversaires, on va bouffer du VB quoi. L'année prochaine, c'est les VB de Heroes. Enfin, c'est les Vegeta de Heroes. Ils vont sortir un VB bleu, tu vois. Shenron's AR function is only usable during this event, so I hope everybody fools around. Ah là, il va dire. Mais hop, on a un autre truc. One more thing. Shenron. Là, il va dire. Regarde, quel veux-tu veux. Ah, regardez. I usually ask for the titles every year, specifically like last year. Non, rien de voir. Oh, not Chrono Crystal. Ça me fait peur là. Non, regarde. I'm getting that unique title, definitely this year. Et là, le titre il va annoncer, non? Le perso, je pense. Ah, je sais pas, je comprends pas où ils vont. Rigole. Ils pourraient faire tellement un truc stylé, justement, et ils le font pas. Voilà, il va dire. Laisse la parole à Toshi. C'est sûr. T'auras pas. So, Dragon Ball Legends will soon turn 3 years old. There's no way we would have been able to hit this. Massive milestone without all of you playing and supporting us over the years. Je commence à douter. On behalf of myself, il va arriver, c'est sûr. Arrête. Non, je doute de ouf là. We'd like to thank you. Ah, il va dire là. Oui. T'inquiète, sucre. Regardez tous, il y a un truc. Everybody enjoys it. Non. And c'est of course, pas ça. That doesn't mean. Oui, mais moi, Gogeta 4, parce que la vérité, s'il n'y a pas Gogeta 4, j'arrive pas à être hype comme il se doit, tu vois. Apparemment, tout n'a pas été annoncé. C'est pas fini. Non, ils vont annoncer Paikwan et Goku. SSJ comme ils arrive. Ont même pas parlé de Chalotte de la deuxième suite partie du troisième anniversaire. Ouais, mais bon. Il y a pas le dernier perso de la bannière GT, frère. Ah mais ça se trouve c'est Gatai hein, le Sparky. Ouais, le perso star. Non, non, franchement, sera dans les deux portails. C'est le LF qui est dans les deux portails. Le premier anniversaire, c'est ça. Non. Tenez-vous prêt pour le début. Non. Il a juste dit qu'il allait avoir d'autres trucs fin d'anniversaire. Quoi. Ouais, mi-juin, d'autres annonces mi-juin, il a dit. Non, il y a un truc. Non, soyons positifs. Ils ont fait ça pour les 2 ans. Soyons positifs pour une fois. Pour les 2 ans. See you guys. Non, pas si. Non. One more thing. Non, ne me fais pas des coucous comme ça, Toshi, je te jure, je vais te rentrer. Non. Oh non. Non. Non.
Non. Ah voilà. Il est là. Il est là. Let's go. Oui. Et let's go. C'est annoncé mon gars. T'es sûr? Voilà. Oui. Le singe il est là les gars. Oh là là. Ah il est sûr. Allez, c'était sûr, le caméra comme ça. J'ai peur, je suis refait. Oh là là. J'ai eu peur. Yes. Incroyable. Voilà, le on est content. Ok, ok, ok. Heureusement, voilà. J'ai eu peur. Là. Oh, il relève, l'anniversaire bon. À tout seul. Oh, magnifique encore là, ce dessin là. Oh, oh la musique. Oh, la musique était. La musique était, c'est énorme. Ok, ok, ok. Oh là là là, j'ai eu peur. Oh là là, mais voilà, comme j'ai peur, mes frères. Ah, j'étais pas bien, moi. Oh là 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 là, attendez. On va transpirer. Ils ont très bien teasé le truc. Ils ont très ah ouais, j'ai eu un coup de pression. Un camp végétal, ça me flex. Vous avez vu le logo avec Gogeta 4 dessus du 3ème anniversaire? Ouais, ouais, ouais. Déchire. Incroyable. À la fin, ok, ça va. Gogeta 4, Gatai Samasu, c'est bien en vrai. Ouais, en vrai de vrai, Gatai corrompu, Gogeta 4, c'est bien. Heureusement qu'il y a Gogeta par les... contre. Voilà, non, les deux élèves ça va, mais le reste il faut. Oh, tiens, comme un bébé, ils ont réussi à caler leur bébé dans l'anniversaire. Ils ont mis un végéto. Ils ont quand même mis le végéto. Après, du moment qu'il était pas. Il était pas. Enfin, comment dire, en vedette, ça me dérange pas, moi, personnellement. Mais frère, ils ont quand même mis un bébé pour l'anniversaire. Chaque année, on se tape un végéto. Chaque année, ouais. Puis bon, Kefla. Donc là, voilà. On va revoir. Parle bien de Kefla. Ok, vas-y. Dès que j'ai vu, je pourrais t'envoyer au tapis avec un doigt si je le voulais, c'est bon. Par contre, mécanique fusion in-game, hein. Non ? Vous avez vu, on a vu le personnage, le personnage, il a une intro comme ça, bah stylé, franchement. Peut-être comme le Ultra, ouais. Il n'y avait pas d'Ultra, hein, comme... avec le Kamehameha, ouais. Par contre, c'est quoi, voilà. Il a... T'as vu, ça fait un espèce de Z quand il... Ouais, il a le solo. Incroyable. On n'a pas vu tout son gameplay en plus. Hein. Non, on a vu on a que. Il n'y a pas de date. Que des miettes. C'est lourd. Et il n'y a pas la date, hein. La date des portails ou la date d'arrivée, il n'y a rien. Merci Titi Boy pour la donation de 2€. Kamehameha Confetti Team Poilu. Voilà, merci mon frérot. Non, en vrai, heureusement que le Gogeta 4 arrive. Il a relevé tout simplement le level. Hein. Il a rehaussé tout ça. Après les gars, honnêtement, si on prend un peu de recul et qu'on enlève la hype qu'on a pour Gogeta 4 et Gatai, c'est pas terrible. Moi je m'attendais à ça, c'est bien ça de Bébé Légende. C'est faut pas. Moi franchement, je m'attendais pas à plus. Moi franchement, je m'attendais pas à plus. D'accord, mais du coup, c'est parce que vos attentes étaient tellement basses que vous dites bon, ok, ça passe, mais. Non, mais en gros, tu t'attendais à quoi? Bon, mis à part la guilde ou autre, des petites refontes, tu t'attendais à quoi? Je sais pas, au moins les ligues en PVP, comme tous les jeux PVP qui existent en ce moment, quoi, je sais pas. Franchement, on avait pas le base. Merci mon frérot Lionel pour la donation de 3,49€. Ouais, pas de topo, mon frérot, pour toi. Je suis désolé pour toi, mon frérot. Vrai, ni Vegetable Evolution. Il y en a qui vont ni Vegetable Evolution. Bah, du coup, sûrement fin d'année, il y aura une célébration de tour du pouvoir, de toute façon. Mais après, Gogeta 4, fallait le sortir au bout d'un moment. C'est le bon moment, je pense. Ah, bah, c'est le meilleur moment, dans la vérité. Ils m'ont fait peur parce que, tu sais, on les connaît comment ils trollent, tu vois, les développeurs. Quand j'ai vu que l'autre, il a fait bye-bye, j'ai dit, mais non, tu peux pas sortir Sunshine Run, Sushin Run et ne pas sortir le Gogeta SSJ 4. Si tu le sors pas maintenant, à aucun moment tu le sors. Surtout qu'il y a encore un Super 7 EX et tout. J'ai dit, non, heureusement qu'ils l'ont mis à la fin. Heureusement. On n'a pas la couleur et tout de Gogeta, hein. Ils l'ont pas indiqué. Sinon non, on n'a rien, on n'a même pas le main, passif, il y a que dalle, il y a Walou, frère. Il y a rien. Ok. Rien du tout. Ok. J'ai l'impression qu'il a une intro comme les Ultras, en tout cas. Ouais. C'est vrai que c'est assez étonnant. C'est assez bizarre. Bah, il a une intro, fusion, là. Une petite intro de fusion. Bon, après, ça, c'est... À voir, hein, parce que franchement, moi, je trouve ça bizarre, hein, quand même, qu'un personnage élève, il est... Enfin, ça serait le premier élève qui a une intro comme ça, non? Ouais, il t'aurait marqué si ça avait été un Ultra. C'est un élève, en tout cas. C'est un élève. C'est marqué Legendary Finish, de toute façon. Ah ouais. Si, c'est un Legendary Finish Ultra. Non. Et c'est possible, hein. C'est possible. Non, pas tout de suite. Ils ont dit on va le faire à terme, mais pas tout de suite quand même. Ça serait trop tôt. Je pense pas non plus, mais bon. Merci Liam, frérot. Félicitations. Merci. Meilleur anniversaire. En tout cas, c'était bien stylé. Là, team Gogeta 4, là. En tout cas, c'était bien stylé. Moi, j'ai bien aimé les annonces. Au moins, les annonces des persos, c'était cool. Après, effectivement, par rapport à certains events, on aurait préféré d'autres trucs. Mais sinon, en soi, c'est. Moi, je vais vous dire, en toute honnêteté, en fait, pour un anniversaire, ce qui me dérange, mais après, voilà, on connaît, c'est Dragon Ball Legends. Moi, c'est juste que pour un anniversaire, je trouve ça dommage de faire des rééditions.
de remettre encore un Vegito, de remettre Kefla. Normalement, pour un anniversaire, c'est l'événement marquant de l'année, tu vois. Normalement, c'est que pour de la nouveauté. Bon, bah voilà, on te ressort du Vegito. Ok, bon, bah c'est bien. Si jamais on le chope, ça va être bien, tu vois. Mais pour l'anniversaire, ça fait 3 ans qu'on se tape du Vegito. Franchement, ça commence à faire beaucoup. Heureusement qu'ils ont relevé la barre avec le Gogeta SSJ4. Heureusement. Et le Gatai Zamasu corrompu, par contre, également incroyable. Ce sont vraiment les deux persos qui me hype de fou. Après, voilà, les deux dragons maléfiques, j'aime bien. Mais on va pas se mentir, la hype entre les deux dragons maléfiques et Gogeta SSJ4 et Gatai Zamasu, voilà. Ouais, mais le problème, c'est que Gogeta 4, il sera sur le portail avec les deux dragons. Hein. Il va falloir aller invoquer dessus. Quand on va avoir ça, le chaîne 100 000 cristaux, carrément, voilà. je crois qu'on va être pareil. Hein. Je crois que moi, ça va partir à 100K. Hein. Là, Gogeta SSJ4, moi, je l'avais dit, normalement, c'était au moins 50K. Mais si à Gogeta SSJ4, ça allait monter plus haut. Je crois qu'on va partir sur... Par contre, je suis en train de regarder niveau animation. C'est vrai que c'est bizarre. Son introduction de la fusion et tout, là, c'est trop bizarre. Moi, je pense que c'est un truc in-game. Si c'est in-game, alors là, grosse surprise. On va voir, hein, mais... Bah, ils l'auraient montré, c'est l'anniversaire. Ils après, peut-être qu'ils n'auraient pas montré l'artwork du personnage en lui-même, mais... Pour moi, c'est comme un ultra, il a une intro à lui, mais maintenant... Ouais, après, ouais, c'est possible aussi. Ouais, je pense que l'artwork, tu vois, ils auraient mis le Goku, le Vegeta, si c'était... Ouais, mais après, l'artwork, il a une animation, tu vois, donc peut-être c'est l'animation secondaire, en fait, qui active le... Enfin, je sais pas, après, il y a plein de trucs qui peuvent être pris en compte. Et merci Daisy Crazy pour la donation de 5€. Si tu peux dire à Fitz que je l'aime STP, mon souffle, bah pas de soucis mon frérot, et merci à toi pour la donation. Moi aussi je vous aime tous les gars, j'espère que vous avez kiffé les révélations des persos. Même si bon, je sais que pour certains ça va être un peu léger forcément, mais. Ah bah oui. Moi il y a Gogeta 4, il y a le singe, je suis content. Hein. Moi clairement, mais moi c'est pareil, moi Gogeta 4, voilà, moi best transfo la team SSJ4 pour moi. La transfo SSJ4 elle est incroyable, c'est le top. Voilà, et merci à Ryan. Pour voir son gameplay, il fait des espèces de dash en arrière. Ouais, de ouf. C'est pour le LF. Et merci Ryan pour la donation de 5€, frérot. Perso, moi, à part Gogeta et Gatai, les persos sont pas du tout hypants. Je suis entièrement d'accord. Voilà, après, voilà, de toute façon. C'est excusez-moi tous de vous couper, juste un truc. Soso, je suis désolé. Ouais, je suis pas très bien. Je suis un petit peu malade, les gars. Donc voilà. Mais en tout cas, merci à toi pour l'invitation, frérot. Vraiment cool. Et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain live ou une prochaine vidéo. Ça marche. Ouais, ça marche, frérot. Merci à toi d'avoir. Merci. Ça m'a fait plaisir. Riz, Susucre, Talerino. Repose-toi bien, frérot. Et tout le chat. Des gros bisous. Bon courage. Ciao, bisous. Je vais vous laisser aussi, mon cher Soso, le travail m'a. Ouais, ben ça marche. Non, ben ouais, non, mais y a pas de souci, les amis. On va se quitter, là-dessus, de toute façon. Voilà, bon, bah, Gogeta 4 qui est arrivé, les amis. Ouais. Gatai, Zamasu, corrompu également. Moi, pour le coup, je suis hype pour ces persos-là. C'est pas un anniversaire incroyable, mais du moment que tu m'as mis le singe que je voulais, ça me va. Non, voilà, mais après, clairement, ça me va. J'en ai parlé, j'avais dit tous les gens qui s'attendent à une dinguerie niveau refonte. Oui, non, mais totalement. Déçu parce que ça n'arrivera pas, c'est une certitude. D'ailleurs, ça n'arrivera jamais. Hein. C'est sûr et certain. Clairement. Le jeu, il va tourner sur ses persos maintenant et c'est tout. Et ça suffit pour lui, donc bon. Clairement. Non, mais t'as tout dit. Hein. Franchement, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. Je l'avais dit qu'il faut pas s'attendre à une refonte des guilds, faut pas s'attendre à un nouveau mode. Faut juste s'attendre à des personnages avec quelques petits bonus par-ci par-là. Mais il fallait pas qu'ils se ratent sur le perso star et c'est bon, ils se sont pas ratés là-dessus pour le Gogeta SSJ4. C'est toujours ça, même s'il y a quand même eu une réédition de VD. Il y a encore Végéto, mais bon, tranquille, il y a Gogeta 4, je pardonne. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de soucis. Bon, allez, moi, je vous laisse, les gars, je vais bosser direct. Ça marche. Et puis, bah, ça marche, mon frérot. Et merci, Soso. Et puis, de toute façon, le chat, j'espère que vous avez kiffé aussi. Et puis, on se capte tous sur les vidéos de chacun, là, ça va être la folie. Hein. Ah, ça va être incroyable. Ça va être incroyable, incroyable. Allez, ciao, ciao, tout le monde, bye. Ciao, mon frérot fils. Voilà, bah du coup, il y a encore le frérot Talrino, Susucre. Bon, Susucre, je te demande pas à toi ce que t'en penses. Bah écoute, le Gogeta sauve les persos de la Nive, avec Gatai. Ouais. Après, au niveau des events, bah moi, de toute façon, je m'attendais à rien. J'étais sûr qu'il allait pas avoir des trucs de ouf, donc c'est ok tiers, pour l'instant. Ouais. Avoir la deuxième partie de la Nive, quoi. Je vois les bails.
Je vois les bails. En tout cas, merci les frérots à tous ceux qu'on fait des donations. Je vois, il y a... Attendez, parce que là, du coup, c'est... Waouh, ça arrête pas. Merci beaucoup les frérots. Pour moi, par Gogeta et Gatai, les persos sont pas du tout hypants. Donc, merci à toi déjà, frérot Ryan, pour la donation de 5 euros. Oui, je peux te comprendre. Il y a également Daisy Crazy qui m'a fait une donation de 5 euros. Tu peux dire, fils, donc ça, c'est bon, ça, je l'avais lu. Et il y a... Rouleau qui m'a refait une donation de 2 euros. Go, quintuple, duel, invocation, non, MDR.